En présentant cette vidéo, je n'entends pas profiter de la situation, mais au contraire démontrer la présence de Nostradamus sur les lieux. À chaque événement qui se produit en France, il faut rechercher si celui-ci n'était pas inscrit dans les quatrains. Quoi de plus naturel que pour prédire l'avenir, il faut savoir lire le présent. Ainsi les événements de l'avenir ne peuvent qu'être véritables. Et si ce n'était pas le cas, il faut absolument qu'ils deviennent véritables. Nostradamus me donne ses renseignements afin de me faire comprendre la véracité de ses dires. Il sait que j'ai de nombreux doutes sur la droiture de mes décryptages. Il sait également que parfois je suis proche de l'abandon. Alors cet homme répond à mes questions en me fournissant des événements en cours ou récemment passés, afin de me faire comprendre que la grande catastrophe se produira irrémédiablement. Ces textes sont beaucoup plus magiques que nous pouvons le penser. C'est du jamais vu. Nostradamus a souvent écrit qu'il m'entendait et qu'il me voyait. Par contre, moi, je ne le vois pas et ne l'entends pas. Je ne peux que le lire. Ces messages sont inscrits de façon à nous faire comprendre que ce qu'il annonce se produira. Mais pour cela, il nous inscrit des événements vérifiables afin que nous n'ayons plus aucun doute sur ses affirmations. Le monde ne verra rien venir sur la soudaineté des événements. Il faut savoir que la vie dans l'univers est un véritable miracle. Personne ne semble s'en rendre compte. Nous faisons partie d'une chaîne de plusieurs milliards d'années où l'infiniment petit est indispensable à l'infiniment grand et vice-versa. La vie humaine est un véritable mycélium reliant tout le vivant qui nous entoure. La vie où tout le vivant est exactement comme le cycle de l'eau éternelle. Ce que le vivant produit aujourd'hui, c'est pour lui demain. Donc c'est à moi de vous annoncer les événements qui doivent arriver. Voici maintenant les révélations. Voici le quatrain 34 de la 5e centurie. Ce sera la ligne écrite en bleu qui nous intéressera. Voici la ligne révélatrice du quatrain écrite à l'envers, telle qu'elle se présentera dans les analyses. Voici la révélation. Ici même seront des igloos pendant longtemps, les geler sur les eaux, les avoir nettement. Pour ce temps, tu as l'année de Tende. De Déo, Dieu haut indiquera les eaux, haussées qui vont tout oxyre, ici même par le ciel. Le ciel t'aide, de Dieu haut avoir l'onde du pouvoir de la prose, professeur de l'ère des mots, tu referas les usages d'expression faits. Ce pouvoir sera par plus de lecture de cette coutume d'expression qui est cédée. Ce devoir sera dû, j'ai les visions des êtres et des eaux gelées pendant longtemps, et avoir nettement cette année-là, Tende. Osciller, les eaux vont oxyre par le ciel. Effectivement, des pluies diluviennes sont tombées sur Tende. Nostradamus dit bien que ces eaux viendront du ciel, donc des pluies torrentielles. Nous connaissons les dégâts que ça a provoqués avec la vallée de la Roya qui a débordé sur la Turbie et qui détruisant tout sur son passage. La datation de ce quatrain sera le 4 octobre 2020. Voici les lignes de la prose telles qu'elles se présentent au cours de l'analyse. La première partie, ensuite la deuxième partie. La deuxième partie représente la continuité de la première partie. Ces analyses sont présentes afin de démontrer la présence des mots dans le texte. Cette page aura une durée approximative de 30 secondes. Ce sera à vous de stopper la vidéo afin de consulter ces analyses. Voici le quatrain 32 de la 5e centurie. Ce sera la ligne écrite en bleu qui nous intéressera. Voici la ligne révélatrice du quatrain écrite à l'envers, telle qu'elle se présentera dans les analyses. Voici la révélation. Naîtront ces notes clés pour la terre. L'air des mots sera en élevant l'usage d'expressions offert. Il faut faire les heures heurter la planète. Tu as l'avance. Vous aurez avance l'année à l'intérieur de cette connaissance des scènes de nudité. Ce lieu sera sale. En ayant le premier cette lecture liée à l'observation, ce jeu des mots cédera les données de ces notes. La planète aura l'air des mots dont l'usage d'expression est offert afin de faire les heures de la planète. Nostradamus nous écrit dans cette ligne du quatrain que la ville de Vence sera dans la nudité et que ce lieu sera sale. En novembre et en décembre 2019, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région de Vence, détruisant en partie la ville de Vence. Ces pluies diluviennes ont apporté des glissements de terrain importants. La ville de Vence était recouverte de terre. Beaucoup de quartiers étaient dans la boue. Et en plus, 60 communes des Alpes-Maritimes ont été touchées par cette catastrophe. Datation, novembre et décembre 2019.
Voici les lignes de la prose telles que je présente au cours de l'analyse. La première partie, ensuite la deuxième partie. La deuxième partie représente la continuité de la première partie. Ces analyses sont présentes afin de démontrer la présence des mots dans le texte. Cette page aura une durée approximative de 30 secondes. Ce sera à vous de stopper la vidéo afin de consulter ces analyses. Voici le quatrain 29 de la 5e centurie. Ce sera la ligne écrite en bleu qui nous intéressera. Voici la ligne révélatrice du quatrain telle qu'elle se présentera dans les analyses. Voici la révélation. De Dieu seront ici même les heures hystériques de la planète en terreur, en 16 heures. Il faut voir la menace des vents qui viendront sur Venise et une grande haine sur Nice. Ici même vous connaîtrez les effets par ces notes qui feront avoir les premiers essais de la connaissance. Dans celles-ci seront inscrites les heures du grand haché. La durée de la vie sera inscrite. Ces notes, issues de cet art, sera l'épée de ce pouvoir de publier cette belle lecture au public. Issue de ce cryptage, ce sera la volonté de voir la menace. L'aide de Dieu sera pour les heures d'hystérie sur cette terre. L'événement qui s'est produit à Nice, par l'assassinat de 3 personnes dans une église, le 29 octobre 2020, n'est pas dû qu'à une seule personne, mais par un mouvement de pensée qui se dissimule derrière ses motivations assassines. L'intégrisme est la pire des menaces dans le monde. La datation de ce quatrain sera le 29 octobre 2020. Si vous désirez me soutenir, voici les 2 adresses pour le faire. Même 1 euro sera le bienvenu. Merci infiniment pour votre don futur. L'association Terra Nova Var a été créée il y a quelques semaines. Cette association est prévue pour permettre la permaculture ainsi que la mise en boîte des récoltes de légumes secs et tout autre aliment non cuit. Je regroupe toutes les personnes de bonne volonté qui désirent se regrouper sur la page Facebook à Terra Nova Var. Vous pourrez ainsi faire connaissance de personnes de la même région que vous et prévoir ce que Nostrabus appelle l'issue, c'est-à-dire la construction d'abris, le stockage de nourriture. Mais pour cela, il faut vous regrouper. Sur le site Fedim Livre, vous trouverez tous les livres numériques. Sur le site nostramusbp.fr, toutes les analyses des textes de Nostramus, ainsi que tous les livres papier. Ces 2 derniers mois, je vous ai préparé une 30aine de vidéos, c'est-à-dire sur 30 quatrains différents. Je les installerai petit à petit sur YouTube, à peu près une tous les 3 jours environ. Je vous remercie d'avoir participé aux révélations de Nostramus et aux analyses. Je vous dis à bientôt.